Taza, en fait, est arrivé dans le portrait au niveau du titre et au niveau du sujet. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a tourné le premier film, L'Ordre 1339, dans ce film-là, il y avait une partie qui traitait de l'enfance, du sujet principal du film, qui se déroulait au Maroc. Et plus précisément, dans la ville de Taza. Quoi. Donc, on est allé tourner ce segment-là, et rendu là, on a rencontré des gens. Donc, je soulignerai par la présente Tayeb Hicham, le musicien d'Al-Kawakib, et on a eu de longues discussions avec lui. Et ça nous a amené à réfléchir sur un deuxième long métrage. C'est Daniel qui écrit les scénarios. Que Christine les corrige. Et elle est d'une aide formidable. Sans elle, il n'y en aurait pas de scénario. Parce qu'elle elle est ma première lectrice, en fait. Donc, des premiers lecteurs, des premières lectrices, c'est très, très important pour donner un sens logique et un sens artistique au scénario. Quoi. Donc, c'est quelqu'un d'important, là. Et le synopsis du film, c'est l'histoire d'un homme qui est dépressif, qui... bon, il a une vie un peu dépressive, quoi. Et il quitte Taza, la ville, pour aller vivre dans une... pour aller mourir, quoi, dans une grotte au nord de Taza. Mais arrivé dans la grotte, arrivé dans les montagnes, il redécouvre un peu sa vraie nature. Et 7 ans après, il décide de revenir en ville, rencontrer, revoir sa femme et sa fille. Mais là, il découvre que sa femme est morte et que sa fille, elle est absente. Donc là, il tombe un peu, encore une fois, dans le découragement. Et là, le déficient léger, Hadi, avec son aide, il va faire venir sa fille qui vit à Marseille, en France, pour amener Omar, qui est le papa, à revisiter les musiciens d'Al-Kawakib pour aller chanter à des noces marocaines au sud du Maroc. Donc, c'est un road movie et puis c'est une histoire assez simple. C'est un drame musical, mais c'est en même temps une histoire humaine entre un père et sa fille, entre des amis, des musiciens, amis. Et, donc, cet aspect-là est très important aussi dans le film. Donc, le choix des comédiens, on voulait travailler avec les meilleurs au Maroc. C'était ça l'intention. Et on s'est arrangé pour trouver autant du côté des comédiens que du côté de l'entreprise qui allait exécuter nos travaux là-bas, qui est Fawzi Vision. On voulait travailler avec des gens professionnels et des gens qui sont au sommet de leur art. Donc voilà ce qui s'est passé. Moteur demandé. Scotch. Moteur. Scotch et clap, annonce. 83 sur 2 premières. Action. On avait une intention très, très claire de trouver une équipe avec qui on allait avoir vraiment une synergie. En arrivant là-bas, on a eu, comme Christine vient de dire, beaucoup d'aide de la part des Tazis pour trouver des lieux intéressants, originaux. Donc, ça s'est, je dirais, essentiellement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Par contre, on a tourné dans la grande région de Taza tous les lieux de déplacement. Donc, les extérieurs qui nous font voir un peu qu'on est dans le désert ou dans les montagnes. Taza, c'est un plateau de cinéma pour ça. Il y a vraiment de tout. Et moi, j'encourage les cinéastes marocains ou canadiens qui veulent tourner là-bas,
d'aller à Taza parce qu'ils vont être très, très choyés. Parce qu'on a tourné tout de même un long métrage en 3 semaines et demie environ, ce qui est assez court. Je dirais que tout le monde a mis du sien et, pour qu'on arrive à réaliser le projet dans son ensemble. C'est un projet personnel, en fait, que l'on a entrepris, moi et Christine, pour aller tourner un film au Maroc. Donc, on n'avait pas de subvention venant de Téléfilm Canada ou de la SODEC et tout ça. On était en coproduction avec Fawzi Vision, ça se résumait à ça, quoi. Donc, on ne parle pas ici de l'industrie cinématographique, là. On parle de l'artisanat. C'est un film, en fait, artisanal sur une démarche personnelle avec une autre culture. Donc, c'est évident que quand on s'embarque dans une démarche comme celle-là, il va y avoir certaines difficultés, il va y avoir certains problèmes. Seulement à propos de la distance qui nous sépare, déjà, ce facteur-là est important. Mais à quelque part, on doit dire que ça s'est vraiment, vraiment bien passé, au-delà même de nos espérances. D'abord, l'équipe de Fawzi Vision avait un peu la même mentalité que nous. C'était des gens qui sont habitués de travailler artisanalement. Ils savent couper les coins ronds, ils savent comment épargner dans des situations difficiles. Ils connaissent leur métier, donc pour nous, ce fut une expérience extraordinaire à ce niveau-là. Moi, j'étais un peu sceptique au départ de travailler avec des comédiens marocains que je ne connaissais pas. Je connaissais Rachid Elhams parce qu'il vit à Montréal, puis on avait pu préparer très bien avec lui son rôle. Mais tous les autres rôles, je ne les avais pas rencontrés assez longtemps pour vraiment discuter. Donc j'étais un peu nerveux par rapport à ça. Mais je dois dire qu'ils ont, dès le départ, ils m'ont pris par la main, ils m'ont dit « Daniel, on va réussir ce film-là ensemble ». Et puis, je dois souligner le grand professionnalisme de tous les acteurs marocains qui ont travaillé avec nous, que ce soit Mohamed Bastaoui, Latif Ara, Majida Benkiran, Choubi, Mohamed Choubi, Amal Seta, je pense que je l'ai nommé, bon. Et tous les Al-Kawakib, les chanteurs aussi, qui ont joué un rôle pas toujours évident, parce qu'ils ne sont pas acteurs, mais il fallait qu'ils soient dans les plans de scène, mais ils ont joué, ils ont très, très bien joué. Donc, voilà essentiellement ce que je voulais dire à propos du tournage. C'est le personnage de Hadi, ça c'est un personnage qui est un déficient léger. C'était pas facile, mais à cause de la préparation qu'on a fait avec M. Daniel et la recherche, pendant 3 ou 4 mois qu'on fait la recherche sur le personnage, et je m'entraîne. Chaque semaine, je viens ici, à la maison, et on s'entraîne fort pour avoir le personnage, pour que le personnage soit très crédible. L'attitude des Tazis par rapport au tournage du film dans leur ville. D'abord, quand on tournait une scène, il y avait des grandes foules qui étaient autour de nous, qui nous... qui était curieux, quoi, qui voulait voir un peu comment ça se passait. Il fallait avoir des barricades, il fallait avoir des policiers, puis même avec des barricades et des policiers, parfois, ils étaient trop près de l'action. Même qu'à certains moments donnés, ça dérangeait les comédiens. Les comédiens avaient un peu de difficulté à se concentrer. Donc, ça, et aussi par rapport à moi, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, c'est l'éveil. L'éveil artistique, l'éveil culturel que le tournage du film Taza a procuré à la ville de Taza. À la fin du tournage, ils ont fait une fête en l'honneur du film, du tournage. Et c'est ce que les maires, les officiels quoi, de la région nous disaient, que soudainement, ça prenait des Canadiens qui venaient d'un autre pays, qui arrivent dans leur ville et qui tournent un film
sur leur musicien, quoi, Al-Kawakib. Et par le fait même, ça a procuré et ça a donné un éveil aux artistes de la région. Donc, bravo pour ça. Pour nous, cette expérience-là, c'est une expérience naturellement très positive, très enrichissante. Je dirais que malgré nos différences de culture, nous ici, les Nord-Américains, nous travaillons beaucoup dans la performance. Nous avons souvent, on est souvent très guidés par des horaires très fixes. On n'a pas beaucoup de souplesse. Et je dirais que c'est la plus grande différence entre nous et les Marocains. C'est que les Marocains, eux, vivent un peu plus en suivant leur intuition, peut-être. Ils ont un autre rythme de travail que nous. Et je dirais que ça nous a beaucoup apporté à ce niveau-là, c'est-à-dire de nous forcer à lâcher prise par moment sur des situations qu'on ne pouvait pas du tout contrôler, soit en étant ici, en faisant la préparation du film. C'était par moments très difficile, étant loin, soit en étant sur les lieux, en n'ayant pas le même rythme, en fait. On a dû laisser aller. Et ça a fait que... en fait, ça permet des échanges entre cultures, des échanges entre êtres humains, qui sont très enrichissantes. Et moi, je recommencerai ça n'importe quand. Je revivrai cette expérience-là n'importe quand. On met beaucoup l'accent sur nos différences. On met beaucoup l'accent sur la peur de l'autre. Puis, ben si moi, je peux dire que cette expérience-là m'a beaucoup rapproché des autres, d'une culture différente. M'a fait voir que justement, pour revenir à ce que Christine disait, la performance de notre société, entre guillemets, nord-américaine, c'est pas toujours le meilleur choix pour vivre une vie équilibrée et surtout une vie en santé. Depuis, j'ai comme ralenti un peu ma cadence. On dirait que ça me fait voir parfois que vaut mieux prendre le temps de bien le faire que de courir trop vite et de trop en faire. Et ça, pour moi, je retire ça de mon expérience avec le tournage de Tazan. أندر الهدي. ليه عيطت لي البارح وقلت لها بثي؟ ليلى أيردن يورا أيردن يورا بأطلس دي ما سبع أصبر الكبير من نفع الوجوة بصلا علي هادي ماذا درت هادشي يا موقي رجوع غنى فمي مع مال بلا دب حبس تحوالا حبس Laisse-moi mourir, maman. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais te faire un Tu es là.
à entendre son histoire.